Salut à tous et bienvenue sur l'analyse de trading. On n'a pas encore eu le dénouement pour aujourd'hui, mais on va commencer déjà à préparer nos ordres de demain. On va voir ce que ça donne graphiquement. Bien sûr, on aura les résultats Excel et tout le blabla plus tard quand on aura un peu plus d'ancienneté. Alors, si le cours atteint 1,15800, on part à l'achat avec un premier ordre de perte à 684 stop loss, 907 take profit. 684 stop loss, 0,32 take profit. 684 stop loss, 149 take profit. Ça fait 3 ordres, il y en a 9. On passe au 568 stop loss, 916 take profit, 968 stop loss, 0,32 take profit, 568 stop loss, 149 take profit. Des 3 derniers pour l'achat, 452 stop loss, 916 take profit, 452 stop loss, 0,32 take profit, 452 stop loss, 149 take profit. Voilà, on a tous nos ordres d'achat pour demain qui sont prêts. Bien sûr, je dirais, il y en aura, ouais, je dirais ceux qui marchent le mieux. On verra par Excel tout ça là. On verra plus tard. À la vente. 1,16400, si le cours de l'ordre, si le cours de la bourse atteint 1,16400, on vend. Prise de perte à 516. Prise de profit 284. Prise de perte 516. Prise de profit 168. Prise de perte 516. Prise de profit 0,52. Nos trois premiers ordres, c'est mis. 632 stop loss. 284 take profit. 632 stop loss. 168 take profit. 632 stop loss. 0,52 take profit. Des lignes blanches, là, pour se référer. Les trois derniers ordres, 748 stop loss, 284 take profit, 748 stop loss, 168 take profit, 2,748 stop loss, 0,52 take profit. Voilà, on a nos 18 ordres pour demain qui sont prêts déjà. On va avoir en plus les résultats de la journée d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à demain pour encore du scalping comme ça. Enfin, du scalping, c'est du day trading, mais pour encore des analyses et des chiffres. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis ciao ciao, merci d'avoir suivi. À plus.